Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je présente une super belle affaire, la région d'Agadir. Alors c'est une villa, projet immobilier, car je vais vous expliquer pourquoi je dis tout ça. On peut habiter dedans, on peut louer, on peut faire organiser des événements comme les propriétaires actuels ils font déjà là actuellement. Donc là on est sur un projet d'une superficie de 7000 mètres carrés déjà construite. Voilà l'ensemble qu'il y a, plus 3000 mètres carrés du parking à l'extérieur de la propriété, collé à la propriété. Donc là sur le 7000 mètres carrés, on a cette partie maison de 200 mètres carrés, 220 mètres carrés au sol, plus deux chambres qui sont dans la suite, la partie piscine pour les enfants, des relax vraiment enterrés dans l'eau, comme vous voyez là. C'est vraiment un projet bien pensé, bien réfléchi. Voilà, plus la grande piscine, plus un salon creusé avec des banquettes là dans cette partie là. Donc il y a les banquettes qu'on met sur le côté pour mettre un feu. Voilà, c'est un petit endroit pour se détendre avec l'eau autour. Là c'est un petit espace pour les enfants pour se baigner. Et puis aussi il y a là juste derrière un salon avec cheminée, comme vous le voyez là. Et voilà l'ensemble. C'est vraiment un très bon projet. Et le plus important, c'est, je ne vous ai pas amené un produit très compliqué. Et non, là on est sur un projet de 7000 mètres carrés plus 3000 mètres carrés du parking. Et c'est titré, c'est à dire vous avez l'argent entier pour acheter et vous n'avez pas, vous pouvez faire un crédit bancaire pour pouvoir acheter parce qu'il y a le titre. Voilà, donc c'est titré et c'est pas loin de la ville. Et déjà le fait d'avoir ça, donc il n'y a pas besoin d'aller à la plage à 100% vraiment. Vous avez aussi de l'espace, donc tout ce que vous voyez là c'est un espace où on met le où il y a vraiment des fruits, des légumes bio. Sur lequel aussi vous pouvez planter par exemple quelques bungalows perdus dans le, voilà, dans le jardin en plus. Donc là dans ce projet on a cette maison composée d'un très grand salon au rez-de-chaussée, chambre, toilette invitée, salle de bain et hammam marocain. Et à l'étage, vous avez deux chambres, chaque chambre avec sa salle de bain et puis une grande terrasse. Vous avez en face du jardin une tente, un espace tente berbère, comme vous le voyez là, vraiment un salon qui est fait dans les environs de 100 mètres carrés. Vous avez à l'entrée deux tours, c'est-à-dire il y a une belle entrée. C'est vraiment bien présenté. Vous avez dans cette partie là, vous allez voir d'ailleurs après, toilette des invités, car dans cet espace là ils organisent des événements, des mariages et voilà, et tous les événements que voilà qu'il peut y avoir. Donc ça s'organise ici. Donc les propriétaires actuels font plusieurs options, soit on vous loue juste l'espace et ça coûte tant,
ou sinon vous voulez tout organiser et que ça coûte le temps de provoquer tous ces détails, tous ces détails là dans voilà, par WhatsApp ou vous me contactez directement, parce qu'on ne peut pas te dire et tout filmer, car c'est vraiment grand. Là on est déjà dans les 5 minutes qu'on est en train de filmer, tu peux y expliquer. Donc ce qu'on va faire en même temps, c'est que on va y aller, commencer à vous faire visiter tout l'ensemble. Voilà, donc là cet espace où ils organisent les fêtes. Là c'est la scène. Alors là c'est le pool. Voilà. Donc là, comme vous voyez là, c'est un espace où on pourra ajouter pas mal de choses, petit bungalow, petit encore d'autres chambres. Là, il y a un terrain de basket. Voilà, on est en terrain de foot. Là, c'est un petit parking. Donc là, un petit parking privé. Et là, dans cette partie-là, c'est-à-dire la maison, il est de l'autre côté. C'est-à-dire on peut habiter et en même temps faire de la location, car on a deux chambres et deux suites. La première, donc, on va vous la faire visiter. On essaie vraiment de faire vite et vous montrer un maximum. Mais ce qui est sûr et certain, qu'on ne peut pas tout vous filmer. Même pour vous envoyer des photos. Donc là, c'est la suite. Donc le projet, il est vendu meublé, tel qu'il est. On peut même, voilà, vous accéder à toutes les clientèles. Donc là, c'est vraiment bien organisé, bien propre. Donc là, c'est la douche. Toilette, serviette, voilà, c'est vraiment... c'est vraiment bien. Et là, c'est la chambre climatisée. Et ça donne sur l'extérieur. Alors, il y a deux suites comme ça. Deux sont déjà prises, donc ils sont loués. Une chambre plus une suite sont loués. C'est-à-dire, on va vous montrer juste deux. Là, c'est la suite. Là, c'est chambre normale avec sa salle de bain. Là, c'est chambre normale avec sa salle de bain. Et sur le côté, c'est la suite. Là. Mais on ne peut pas vous montrer parce qu'il y a les affaires des gens. Donc, c'est là, celle-là, il est loué. Mais on va vous montrer un exemple de chaque. Un exemple de chambre et pas un exemple de suite. Donc, la suite, vous l'avez déjà vu. Et là, c'est la chambre. Comme toujours, bonjour tout le monde. Je vous remercie de toujours être là, à nous suivre de partout. Par contre, je vous demande toujours de cliquer sur le like, car ça aide à les vidéos à être plus visibles partout. Donc là, c'est la salle de bain, salle de douche de cette chambre. Ça, vraiment écarté de la maison, c'est vous pouvez habiter et louer cette partie là, organiser des événements comme ils font les propriétaires actuellement, de la tente plus cet espace là, aussi vous pouvez séparer aussi cette partie là, rajouter encore d'autres chambres là et les louer. Il y a vraiment du potentiel. Donc là, c'est qui loué. Cette chambre là et cette suite elles sont louées. Ce que je viens de vous montrer, faire visiter, c'est la chambre là et la suite sur le côté. Donc cette partie là, donc pas vous montrer, donc juste comme ça. Donc là cette partie de nos travaux, ils sont en train de rajouter hammam marocain 100% spa, et derrière c'est un espace débarras. Donc là c'est pour, ils ont rajouté ça pour les événements. Des toilettes,
salle de bain, douche, voilà, c'est pas encore terminé, il y a encore le robinet installé, ça vient de, c'est d'être terminé. On file vraiment vite parce qu'on ne peut pas tout vous montrer. Par contre, l'ensemble, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et là, on arrive sur la partie. Voilà. Donc, tente berbère, espace événement. Et là, on arrive sur la grande maison avec cuisine ouverte sur l'extérieur qui est dans cette partie-là. Voilà. Donc là, il y a la cuisine avec un petit extérieur. Et là, je vous emmène voir. Coucou, comment ça va? Alhamdoulilah, comme on dit. Allez, c'est parti. Donc là, c'est au rez-de-chaussée de la grande maison. Voilà, on est venu, on est entre guillemets, sans provenir à l'avant, donc c'est pas bien rangé. Mais c'est pas bien rangé. Voilà, mais on fait avec. Voilà, donc de le rez-de-chaussée, c'est un grand espace à vivre. Voilà. Là, c'est un espace salon. Là, c'est pareil. Il y a tous les draps, voilà, pour les chambres, voilà, les nappes et tout ça, pour les événements qu'organise la propriétaire. Donc, il y a tout ici. Et là, très beau salon, on regarde les finitions. Voilà. C'est vraiment extra. Ordinaire, c'est vraiment beau. Et ça donne sur l'extérieur, sur la piscine. Donc là, toilette invitée. Et là, on passe de l'autre côté. Et c'est là derrière encore. Donc on a au rez-de-chaussée, salle de bain. En fait, là, c'est une suite, c'est une grande suite avec sa salle de bain, dressing. Voilà. Et puis, ça donne directement sur l'extérieur, sur la partie piscine, puis salon extérieur. C'est vraiment, c'est ultra organisé, des clim de partout, vendu, meublé. Donc on arrive sur ce côté-là, et partie, on va dire, prévue pour le personnel. Là, il y a toilette encore, salle de bain avec hammam mghribi. Après, là, c'est la partie cuisine extérieure et intérieure, intérieure au fond. Là. Arrière-cuisine, avec tout le matériel pour les, voilà, pour l'événement, voilà. En arrière-cuisine, il y a tout. Et après, quelqu'un qui veut dire bonjour. C'est un chouchou. Hein? C'est un chouchou. Alors là, on monte à l'étage où on a donc deux chambres. Deux salles de bain. Donc là, c'est une grande chambre. Désolé, c'est pas bien rangé. Voilà, ça donne sur la piscine. Puis il y a une vue vraiment magnifique. Là, il y
y a la salle de douche. Là, on a encore une deuxième chambre. Donc là, il y a un dressing pour la chambre. Et la chambre même qui donne sur la grande terrasse. Mais par contre, on va y passer de l'autre côté pour vous montrer l'ensemble de tout ce qu'on vous a montré sur la vidéo dès le départ. Donc là, on arrive sur une super belle terrasse qui donne sur les montagnes tout autour de la ville d'Agadir. Donc la propriétaire s'arrête pas là, mais s'arrête vraiment au fond. C'est-à-dire vous avez toute cette partie-là, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Donc pour quelqu'un qui veut faire chambre d'hôte, pour rajouter encore d'autres chambres, c'est un peu... On peut faire ça pour vous, sans problème. Vous n'avez pas à s'inquiéter pour ça. On est là. On est là pour ça. Voilà donc l'ensemble de la propriété. On parle de 7000 mètres carrés avec maison piscine et puis 4 suites séparées et aussi 3000 mètres carrés du parking. Donc jusque là, je vous remercie de nous avoir suivis. Si vous avez d'autres questions ou vous savoir un peu plus sur cette propriété, le prêt je ne donnerai pas sur pour raison que le propriétaire ne veut pas que je donne le prêt sur la vidéo. Je donnerai en privé sur ce numéro suivant: 00 212 6 78 54 70 96. Je répète: 00 212 6 78 54 70 96. Voilà, pour vous dire un peu plus et les preuves de tous les événements qui ont été organisés dans cette propriété pour voir l'ensemble vraiment fait avec les jeux de lumière et tout ça, les preuves de tout ce que vous a donné, vous pouvez nous envoyer un petit message en privé, soit en commentaire, on vous donnera le numéro de téléphone et vous passez en WhatsApp si vous nous contactez de l'étranger, ou sinon nous appelez directement et on vous contactera. Si vous appelez et on ne vous répond pas, c'est qu'on est au rendez-vous, donc on vous rappellera plus tard et vous donner toutes les voilà plus de photos de la maison avec les vêtements ou sans vêtements et plus de détails. Je vous remercie de nous avoir suivis dans cette vidéo. Merci et à très bientôt dans une nouvelle vidéo et avec une autre belle affaire. La distance entre cette maison et Agadir, centre-ville, c'est 35 km. Donc on va dire 40 minutes de la mer. Il y a à peu près 20 minutes de l'aéroport. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Déjà là, une autre info, c'est que là, on a un puits. On a un puits aussi pour l'eau, pour l'ensemble de la propriété. Voilà. Je pense que j'ai tout donné. Voilà, si j'oublie quelque chose, une autre information, excusez-moi, mais je peux vous la donner en privé. Merci et à très bientôt.